Madame, excusez-moi, c'est pour vous demander, c'est bizarre à dire, mais est-ce que vous pouvez me faire un compliment? C'est histoire de bien commencer la journée et d'être de bonne humeur. Vous avez un très beau sourire. Merci beaucoup, bah vous aussi. Vous êtes agréable. Merci, bonne vous journée. Aussi. Très bonne journée à vous, au revoir. Pendant ces 30 derniers jours, j'ai vraiment fait des choses que jamais je me serais imaginé capable de faire, des choses qui sont complètement contre ma nature. Je me suis obligé à sortir de ma zone de confort tous les jours en allant dehors dans la rue et en faisant des requêtes qui avaient très peu de chances d'aboutir à des inconnus. C'était des demandes qui étaient bizarres et qui pouvaient créer des situations de malaise. Mon but, c'était vraiment d'avoir le plus de refus possible et en même temps de m'habituer aux situations de malaise que je pouvais créer avec des gens. Je me suis dit qu'en faisant ça, ça allait forcément m'aider à me débarrasser de toutes ces peurs que j'avais, donc que ce soit la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'aller vers les autres, la peur aussi de demander quelque chose et d'être rejeté par un non justement. Et tout ça, c'était compliqué pour moi, comme j'ai dit, c'est pas du tout ma nature, mais je me disais que c'était important et il fallait vraiment que je le fasse pour que je change en fait. Excusez-moi de vous déranger. Oui, pardon, monsieur. Est-ce oui. que vous serez d'accord pour que je prenne une photo avec vous deux? Ah non, pourquoi? Parce qu'en fait, je visite Lille, je suis en train oui. de visiter Lille et j'aime bien prendre des photos avec oui, des habitants. Oui, bah c'est gentil. Ah oui, mais je ne suis pas habitante de Lille. Ah, vous n'êtes pas habitante de Lille? C'est raté. Bon, tant pis. Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre alors. Ah oui, allez, au revoir, ça marche, pas de soucis. Bonne journée, au revoir. Quand j'étais plus jeune, en fait, cette peur-là, elle était encore plus forte. Je me rappelle, pour raconter un peu l'anecdote, c'était en 6e. Et en 6e, il y avait des moments où en cours de français, on devait réciter des poésies ou alors jouer une pièce de théâtre. Et pour moi, ce moment-là, il était terrible. J'étais pas forcément un gamin qui avait beaucoup de confiance en lui. J'étais pas forcément bien dans mon corps. J'avais des kilos en trop. Donc, je me sentais pas forcément bien. Et ce moment-là où je devais me retrouver au tableau devant toute la classe avec ressentir justement le regard de toutes ces personnes sur moi qui attendent que je parle, pour moi c'était terrible ce moment-là. Donc je voyais tous ces yeux là, ces plus de trentaine d'yeux en train de me regarder. J'avais l'impression d'être nu au tableau, d'être complètement désarmé et je devais commencer à réciter ma poésie. Alors à ce moment-là, je sentais dans mon corps tout devenait chaud, ma voix tremblait, je voyais flou et je commençais à pleurer. Donc avant même de réciter ma poésie, je pleurais et ma prof voulait que je continue. Alors là, à ce moment-là, c'était terrible parce que je devais finir de réciter la poésie dans cet état-là. Bon, à ce moment-là, j'étais pas bien, mais maintenant avec le recul, ça me fait rire et je suis content aussi de voir le chemin parcouru parce que maintenant, je peux passer au tableau en cours sans souci et c'est même quelque chose que j'aime bien, que j'ai appris à aimer. Mais voilà, cette peur était toujours là, elle est toujours là un peu maintenant, mais moins. Bonjour monsieur, excusez-moi. Monsieur, je ne sais bonjour. Pas si c'est à vous que je dois parler, mais ce serait pour savoir si je peux travailler pour vous pour la journée aujourd'hui. Ah non. C'est pas possible. Non, ça marche pas comme ça ici. D'accord. Non. Il faut des contrats, ouais. Des choses comme ça. D'accord. On ne prend pas la journée. On va vous aider comme ça pour la journée. Non, c'est pas possible. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Bonne journée. Aller parler à des gens dans la rue que je connais pas, imaginer ce qu'ils peuvent penser de moi, ou alors pour chercher un travail, demander des choses à des gens. On a toujours peur de pas être légitime ou de passer pour un con. Et il y a une autre petite histoire, cette fois-ci c'était en 3e, le moment où on doit chercher un stage en 3e justement. Pour moi c'était aussi un moment terrible. Donc je voulais faire un stage en boulangerie et je me disais mais qu'est-ce que le gars va penser de moi au moment où je vais rentrer dans la boulangerie et lui demander du haut de mes 11 ans, je sais plus j'avais quel âge. Voilà, il va me dire mais attends, t'as 11 ans, j'ai pas besoin de toi, on cherche pas de stagiaire, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais là? Moi si je veux travailler avec quelqu'un, je prends quelqu'un de plus compétent. Toi tu vas servir à rien, tu vas être un boulet, t'as rien à m'apporter, donc reste pas là. Dans ma tête, c'est ce qui se passait. J'imaginais ce que le boulanger pouvait penser de moi. Et au final, ça s'est super bien passé, le gars est super bienveillant et c'était une bonne expérience. Et voilà, ce truc-là de peur de déranger les gens, de demander des choses, je l'ai toujours. Et c'est pour ça que je déteste encore à mon âge le fait de,
d'aller chercher du travail, de demander à quelqu'un de m'embaucher, de donner mon CV, etc. C'est quelque chose que je déteste parce que j'ai toujours cette peur de déranger et de pas être la bonne personne pour ce travail-là, en fait. Excusez-moi, vous dérangez. Est-ce que vous serez d'accord pour me lire un passage de mon livre ? Juste ici. Oui, si vous voulez. Bien gentil, merci. Juste là. Qui connaît les autres et s'agace, qui se connaît soi-même est illuminé, qui vainc l'autre homme est fort, qui se vainc soi-même est plus fort, qui sait être content et riche, qui agit avec la vraie force du caractère, qui ne s'écarte pas de sa place vit longtemps, qui est mort sans finir, atteint la vraie longévité. Merci beaucoup. Et pendant ces 30 jours-là aussi, j'ai réussi à me retrouver dans des situations qui étaient complètement improbables. J'ai réussi à faire des choses pareilles que jamais j'aurais pensé pouvoir faire, ou alors des choses que jamais j'aurais pensé pouvoir faire aux gens. Bien sûr, je me suis pris beaucoup de rejets parce que c'était l'objectif initial du projet, c'était de me faire rejeter le plus possible de fois, d'où les demandes un peu bizarres que j'ai faites. Alors, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous serez d'accord pour partager un secret avec moi ? Je vous dis un secret. J'ai pas le temps, désolé. Vous avez pas le temps ? Pas de soucis, bonne soirée. Par exemple, j'ai essayé d'acheter juste une tomate dans un kebab, mais malheureusement, on n'a pas voulu. J'ai essayé de prendre une photo avec des inconnus dans la rue. J'ai essayé de travailler chez Burger King pour la journée, on m'a refusé aussi. J'ai essayé d'acheter l'écharpe d'un inconnu. Pareil, pas possible. J'ai essayé de prendre un cours de vente dans un Apple Store, c'était pas possible. J'ai aussi essayé d'apprendre à utiliser la broche à kebab quand je suis allé acheter un kebab. On m'a dit non. Tout ça, c'était les quelques rejets que je me suis pris. Mais j'ai eu aussi beaucoup de surprises parce que tandis qu'on m'a refusé des choses qui me paraissaient très simples à faire aux gens, comme par exemple défier quelqu'un au pierre-feuille-ciseaux ou alors demander une leçon de vie à une personne âgée, je pensais que ça allait être possible. On m'a dit non, pour cela je me suis fait rejeter, mais j'ai eu aussi, comme j'ai dit, pas mal de surprises. Une de mes préférées vraiment qui m'a le plus étonné, c'est au moment où j'ai demandé à quelqu'un de me lire un livre. Déjà j'étais surpris parce que la personne a accepté et en plus m'a même pas demandé pourquoi. Entre autres, après j'ai réussi aussi à mettre de l'essence dans la voiture d'un inconnu. J'ai réussi à demander à une inconnue de me noter sur 10 dans la rue. J'ai réussi à laver mon t-shirt sale dans la machine à laver de quelqu'un. J'ai réussi à manger un morceau du hamburger de quelqu'un chez Burger King. J'ai réussi aussi à donner une pomme à un inconnu dans la rue. Ça, on pense que c'est facile, mais en réalité, très peu de gens acceptent de la nourriture de quelqu'un dans la rue comme ça. Dans un mood où j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, tu vois. Ouais. Et je me dis, si t'as rien à faire ce soir, on peut aller boire un verre à Lille, si t'es dispo. Ah bah, sûr, je vais au restaurant, mais okay. Si tu veux, passe ton snap et on se fera un truc. Tu peux prendre mon numéro parce que j'ai pas snap. T'as pas snap ? Non, j'ai pas snap. Okay. Mais non, mais ça prend tout le temps, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois les trucs découvrir là. Tu regardes des stories de personnes que t'aimes même pas. Oui, non, mais ça c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Après, moi je regarde même pas les stories, je regarde que ceux de mes potes en vrai. Je regarde même pas tout ce qui est influenceur ou quoi. Enfin, okay. Pas le temps, ouais. Ouais, mais moi des fois je vais pas, alors que je suis même pas. Laisse tomber, ouais. Bah attends, vas-y, hop, ouais. Alors. Voilà, tiens. Et du coup, tu t'appelles ? Et toi ? Paolo. Paolo. Je pense que ça s'est fait comme ça. Nickel. C'est, il y en a qui l'écrit AU. Mais c'est pas comme ça. C'est pas très connu, quoi. Ouais, non. Enfin bref, vas-y, je te laisse finir ton Ok, shopping. Ça marche, merci. Et tu m'envoies un message. Vas-y, ça marche. Et finalement, cette peur d'aborder les gens, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui me faisait encore plus peur. C'était la peur de rester comme j'étais et de rester avec cette peur, justement. Et de pas changer, de pas agir. Et toute ma vie, de rester au même point sur ce niveau social. Donc, en fait, ça me faisait hyper peur de rester toute ma vie comme ça. C'est-à-dire que bah là, j'ai 22 ans. Et dans 60 ans, si je faisais pas ce défi, dans 60 ans, j'allais avoir le même ressenti par rapport à ça. Donc pour moi, c'était super important de m'obliger. Et je me disais que si je ne faisais pas ce challenge, donc un jour donné dans le mois, je restais une merde toute ma vie. Donc il fallait que j'agisse et que je reste pas sans rien faire. Peut-être paraître bizarre de dire ça, mais moi je me disais vraiment que si je n'arrivais pas à faire ce truc-là, juste aller aborder quelqu'un pour lui demander quelque chose d'un peu bizarre, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Si j'avais juste peur de ça, mais ma vie, ça allait être quoi? J'allais juste être une merde toute ma vie. Donc il fallait absolument que tous les jours je fasse ce défi pour me prouver que c'était possible et me prouver aussi que je pouvais faire des choses plus difficiles que ça, parce que voilà, tu te doutes bien que si t'arrives pas à parler à quelqu'un, pour les autres choses dans la vie, ça peut être compliqué. Quoi? J'aime bien, t'as fait, si tu l'as acheté où? C'est une Jules.
chez Jules. Ouais. C'était il y a longtemps ou... Je pense à longtemps, c'est un pote à moi, plusieurs CRM, mais c'est une Jules. Ok, ouais, non. Et ça te dérange pas si je l'essaye? Pas du tout. Tu me dis si. Ouais. Qui est usé, elle est vieille. Ah ouais? C'est quelle taille? Je sais pas. C'est quoi? Ça doit être M. Ouais, c'est duel. Duel, ok. Ouais. Pas mal, hein? Pas mal. Peut-être en M, elle serait plus centrée pour toi. Ouais. Non, mais elle est bien. Ok, ouais, c'est vrai, elle est craquée. Ouais, c'est pas nickel, merci. Et finalement, avec ce défi-là, pendant 30 jours, j'ai appris pas mal de trucs sur moi et sur les autres aussi. Finalement, je pense que j'avais peur quand même des gens. J'avais peur des gens, j'essayais de les esquiver, de pas trop me confronter à eux. Et on se rend compte que on est tous pareils et que même les gens qui semblaient avoir plus de confiance et plus à l'aise dans des situations comme ça, comme par exemple des hommes d'une cinquantaine d'années, finalement on se rend compte que dans certaines situations aussi, eux peuvent aussi être mal à l'aise et ne pas montrer une grande confiance en eux. Et ça, ça fait réaliser beaucoup de choses aussi. Je me demandais si est-ce que vous auriez un conseil de vie, une leçon à me partager, qui pourrait me servir dans ma vie. Vous n'avez pas le temps? D'accord, tant pis. Je comprends. Pas de soucis, bonne journée, au revoir. Et là, je voudrais parler un peu de la douleur, justement, de la douleur et de la peur. La douleur qu'on ressent après avoir demandé, donc après cette situation gênante, et la peur qu'on ressent avant de commencer à demander. Cette douleur, au final, on se rend compte que, comme j'ai dit, elle est que temporaire, ça dure que quelques temps, et après tu passes à autre chose. Surtout si, là, pendant le défi, si tu le fais tous les jours, ça passe de plus en plus vite, et tu prêtes moins attention à cette douleur. Et la peur, c'est pareil, là on est à la fin du défi et la peur n'a pas disparu. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je pense que limite, elle est toujours pareille que quand j'ai commencé, c'est juste que maintenant, je sais à quoi m'attendre. Le résultat, je le connais. Mais la peur d'aller voir les gens et de demander, de passer pour un imbécile, elle est toujours là au final. Salut, excuse-moi de te déranger, j'ai envie de faire la prise de confiance avec un inconnu. Et je me demande, est-ce que si je tombe en arrière, tu me rattrapes? C'est juste, j'ai envie de tester avec quelqu'un. Vas-y. T'as de la force? Oui. Tu me rattrapes bien? Oui. Vas-y. Ok, bon, ça va. Merci. C'est tout, je voulais juste faire ça. Bonne soirée. Ah putain, c'était gênant de ouf. En plus, je l'ai trop mal fait. C'est un truc que j'arrive pas à faire, même avec les gens que je connais. J'arrive pas à me laisser tomber en arrière. Et là, c'était vraiment trop nul. Parce qu'on n'avait pas les bonnes distances. C'était fait complètement à l'arrache. Et parmi toutes les choses que j'ai apprises durant ce défi, il y a un truc sur lequel j'ai pas mal ouvert les yeux. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup. C'est, ou peut-être qu'on l'entend pas beaucoup, mais en tout cas, moi, j'ai déjà entendu et j'avais pas bien comprise à l'époque. C'est que les gens qui ont peur du regard des autres, d'être jugés par les autres, c'est souvent ces personnes-là qui jugent le plus les gens. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'est ça en fait. Comme j'avais peur d'être jugé, c'est souvent aussi parce que peut-être inconsciemment, je reconnaissais pas avant, mais peut-être que je jugeais les autres aussi. Et c'est un truc aussi que j'ai pas mal remarqué, notamment quand je sortais de chez moi pour aller parler aux gens, leur demander les trucs. Là, je jugeais beaucoup carrément. Je me disais non, cette personne est trop petite. Cette personne est trop grande, trop vieille, trop jeune. Cette personne a l'air de trop avoir confiance en elle, donc je vais pas être à l'aise. Ça va me demander de me challenger beaucoup. Ou alors cette personne, j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup confiance en elle, donc j'ai pas envie de lui faire peur. Je me trouvais toutes sortes d'excuses comme ça en jugeant les gens. Et ça doit venir de ce truc-là aussi peut-être. Dernier petit truc à noter aussi. J'ai découvert quelque chose que je savais déjà un peu, mais ça m'a permis de solidifier justement cette croyance. J'ai vu, comme beaucoup de gens aussi, la TED Talk de, je sais plus comment il s'appelle, Simon Eck, je sais plus c'est quoi son nom, sur l'importance du pourquoi. Et avec ce challenge, je me suis rendu compte que oui, c'était vraiment important. À chaque fois, même si ta demande est un peu ridicule et bête ou bizarre, si t'as un bon pourquoi, une bonne raison, ça peut toujours passer. Parce que voilà, la personne, elle va te comprendre. Et elle va faire tout pour t'aider justement à réaliser ce pourquoi. Quand je demande au gars pour mettre de l'essence dans sa voiture, je lui dis bien que c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie et que j'ai envie de tester. Pareil aussi, je pense que le meilleur exemple, c'est au moment où je demande
à la femme dans la rue de me donner un compliment. Je lui dis bien que c'est pour commencer ma journée d'une bonne façon et d'être de bonne humeur. Et tout de suite, elle n'a pas trouvé ça bizarre. C'était une... Pour vous dire, quand j'ai voulu faire ce défi, je me suis dit, je vais passer pour un connard, ça va être compliqué celui-là. Mais au final, c'est limite un des plus simples. Il s'est passé tellement naturellement et c'était tellement agréable que... Bah voilà, finalement, c'est juste avec un bon pourquoi, on arrive à créer de bonnes choses et à faire aux gens des choses qu'on veut. Mais voilà, au final, pour revenir sur les choses que j'ai apprises, c'est que bah, avec un sourire et un peu de politesse, tout passe. Tu peux demander n'importe quoi, au final, si tu fais ça bien, la personne va accepter ta requête.